Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va ouvrir ensemble la Sweetie Box du mois de novembre. Toujours en avance, n'est-ce pas, Sweetie? Alors, j'ai juste ouvert, juste comme ça, pour jeter un œil. Parce que je trouvais le carton qui était assez large. Hop. Alors, quand j'ai ouvert le carton, voilà ce que j'ai découvert. Donc, il y a des petites choses à grignoter dans cette nouvelle Sweetie. Hop. Donc, ce sont des biscuits gourmands sésame vanille de Léa Nature. Voilà, donc je connais la marque parce que donc c'est une marque que vous retrouvez souvent sur le blog niveau cosmétique et soins. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est bio et que je connais. J'ai un ami qui travaille là-bas, donc voilà, je connais comment sont faits les produits et j'aime bien la mentalité de la société. Quoi dire? Bah, je vois pas ce que ça va faire dans une Sweetie Box quand même. Donc, bon, c'est très bien, pauvre en sel, ça m'arrange. Parce que moi, le sel, ça me fait gonfler. Donc, oui, pourquoi pas. C'est des petits sachets fraîcheur, donc très bien pour emmener au travail. Donc, on va goûter hein, de toute façon, hein, mais c'est pas beauté, quoi. Et maintenant, on va ouvrir. Hop, c'est parti. La box de mois de novembre qui a déjà quand même des petits dessins de Noël. On a des flocons, merci maman, n'est-ce pas? Tu reconnaîtras. Donc des petits flocons, des petits cerfs. Donc on sent déjà l'esprit de Noël, hein, même si c'est pas celle de décembre. Et oh! Donc là, on a My Sweetie Mag. Donc ça y est, ils font comme la box, c'est Little Box qui fait ça, un petit magazine qui accompagne. Forcément, c'est le numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, donc, ah, ça c'est une chose très intéressante. Ils nous expliquent le concept de la Beauty Home Sweet Home. Donc le thème... Plein de papiers ce mois-ci. Le thème, où est ma carte? Ah oui, donc je suis en train de tout ouvrir. Où est la carte? Ah, il n'y a pas de carte. Il n'y a plus de carte. Bon. Alors, la box canapé party. Sympa, c'est l'hiver. C'est canapé party, quoi. Donc, produits cocooning qui accompagneront les longues soirées d'hiver. Oui, oublions que hiver rime avec fade et moche, blablabla, blablabla. Bla bla. Qu'est-ce qu'on raconte? Ah, le menu, il est là maintenant. Oh, c'est moins rigolo, hein. C'est moins fun. Hein. Bon, j'ai le menu. Ensuite, il y a quoi? Sweet Actu. Alors, on adopte le chignon, on adopte les bons gestes. Ouais. Ensuite, Sweetie Dossier. En fait, ils reprennent tous les produits, quoi. D'accord. Sweetie Dossier 2. Sweetie Dossier... Oh, d'accord. Donc, en fait, c'est un article par produit, quoi. Très bien. Ensuite, on a le... Alors, je vais vous montrer. Oui, mais je vais vous faire découvrir si je fais ça. Tant pis. Ensuite, on a le Sweet Blog. Ah, d'accord. Donc, ils partagent en fait les plus belles photos, les blogs, etc. Donc, ça, ce serait peut-être intéressant de faire un petit mail. Morgane, il faut qu'on s'occupe de ça. Et la dernière page, déjà, qui est le Sweet Shopping, où en fait on nous propose de choper les shops, blablabla, cosmétiques, etc. Ça, je peux vous montrer. Voilà. Très bien, bon, on revient sur ce qui nous intéresse. Moi, c'est le Sweet Menu. Alors, on commence par... Et ça, j'avais vu qu'ils l'avaient mis dans la box parce qu'ils avaient dévoilé le truc. Le lait corps crème à l'huile d'argan de Rivadouce. Voilà, donc c'est un beau flacon de 250 ml. Donc, c'est pas mal. Alors, moi, j'aime bien l'huile d'argan. Ça ne sent pas trop fort. Et c'est vraiment quelque chose de naturel, donc ça j'aime bien. Rivadouce, je connaissais parce qu'on a travaillé avec mon entreprise avec eux.
Donc c'est les laboratoires Evadis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La nature est une richesse incroyable. Blablabla. Oui, bon, bah, ça hydrate, quoi. Très bien. Donc, ça, très bien. Beau flacon, c'est cool. Ensuite, mon sale. Head and Shoulders. Je n'ai pas de pellicule. Tant pis. Donc, Head and Shoulders, anti-pelliculaire, classique de cheveux. Pour les cheveux normaux. Voilà, donc un shampoing. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec votre chevelure, c'est un peu je t'aime moi non plus. Ça oui. Oui, ils sont nettoyés, purifiés, souples, éclatants de beauté. Et surtout sans pellicule. Donc oui, bon. À utiliser, j'ai jamais essayé la marque, de toute façon, je vois. Ça sent comment? Ah, il faut réussir à l'ouvrir quand même. Ah bah zut! Ah! Ça va! L'odeur est fraîche. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons quoi? Une crème nettoyante réparatrice de Jaylis. C'est pareil, hein, c'est comme un beau flacon de 75 ml. Des laboratoires, alors, je sais pas comment ça se dit, Jaldes. Oui, bon, à chaque fois, c'est le beau truc. Alors, c'est un produit 2 en 1 qui nettoiera sans agresser et qui soignera en même temps votre peau des petits maux du quotidien. Bon, bah, c'est très bien, j'arrive à la fin du mien, donc on va pouvoir tester ça. Là. Ensuite, ah, mais j'avais vu ça, je ne sais pas ce que c'était. Alors, ce sont des masques. Et c'est sympa, c'est la montagne jeunesse. Et en fait, quand on ouvre, là. Il y a un peeling et un masque. J'aime bien le concept d'avoir les deux en même temps. Alors, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, notre coco? C'est le masque qui est à la noix de coco. Voilà. Et donc, le peeling est au concombre. Ça pue le concombre. Donc, laver, appliquer, peler, admirer. Très bien. Donc, je ne connais pas du tout la marque, j'en ai entendu parler. Mais j'aime bien le principe d'avoir les deux dans une petite pochette comme ça. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, c'est vendu dans 85 pays, on est content. Et le produit est vendu toutes les... Ouh ! Un produit est vendu toutes les 2 secondes. Et pourquoi je ne sais pas, moi je ne connais pas ce produit. Eh ben, on va tester ça. Alors, ensuite, on a de la pub. Alors, pour toute commande, moins 10%, bah je vous mettrai les codes, tiens, sur Evadouce, j'ai 10% sur la commande. Je vous mettrai en lien. Ensuite, on a aussi de la pub. 3 bonnes raisons de réduire les sucres. J'aime bien le sucre, moi. Pareil, la gamme La Nature hein, qui est présentée. Est-ce qu'il y a un bon de réduction? Ah! Il y a des recettes! Donc, on a une recette fondant au chocolat, une verrine croustillante, je perds ma voix, coco ananas, un millefeuille de crêpe à la pâte à tartiner. Je peux vous mettre la recette et ça fera le lien avec la recette de Morgane de pâte à tartiner qu'elle vous a mis sur le blog lundi. Et un cheesecake léger au petit beurre. Ça va être sympa ça. Oh, ça sonne, tant pis. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer, nous avons quoi? Oh, mais arrêtez de sonner, bah tant pis. Hein. Ensuite, nous avons des petits trucs. Des petits trucs. Ah, c'est quoi? Alors, rides. Ballot ça. Rides visibles jour, peeling exfoliant et première ride. C'est mes rides. Voilà, donc c'est Cadalis. Donc c'est des petits. Ouais, des petits échantillons quand même. Voilà, 5 ml. Comme ça. Je crois que ça va aller chez ma maman, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc c'est Mucinlift qui fait ça. Non, pas du tout. C'est Cadalis, je viens de le dire. Et le nom du produit, c'est Mucinlift.
Je connais pas. Hein. Ah, par contre, il y a 30% de remise à valoir directement sur le site avec le que de promo. Donc, je vous mettrai aussi en lien. Bon, première ride OK, mais alors ride visible. Tant pis pour moi. Ah bah c'est tout. Mais c'est déjà la fin. Bon, bon. Oui, c'est une petite box sympathique. Hein. Il y a des petits produits qu'on va essayer. Donc, par contre, j'ai hâte de voir la box de décembre. Apparemment, ils nous ont concocté quelque chose d'assez sympathique, d'après ce qui est marqué. Donc ça, je vais pouvoir l'essayer. Et puis voilà. Donc, c'est fini pour ma semaine. Je vais juste en profiter pour faire un coucou à ma famille qui est dans le sud, que je vois pas. Et du coup, je vais vous montrer un peu mon bidou. Parce que, mine de rien, les 5 mois arrivent. Et ben voilà, on est pas mal là. On est pas mal. Donc, je fais des gros bisous à ma famille qui est à Toulon, Nono, Tata Dom Dom, que je vous vois pas. Donc voilà, vous verrez un petit peu mon bidou. Et puis ben moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et nous, on va au spectacle de Noël cet après-midi. Et je vous dis à bientôt.